tu me reçois? Ah, oui. Ah, tu me reçois? Oui, il y a t'entends. Ouais. C'est que je dois être pas loin de toi si jamais j'arrive à te capter. Oui, tu dois pas être bien loin de moi. Yeah, on a rencontré le chef du refuge, un certain capitaine, apparemment. Et ils font faire des tests aux gens, mais ça, je t'expliquerai un peu plus en détail quand on se retrouvera. J'ai eu quelques soucis avec des aides. J'ai une petite horde. Okay, je m'en suis chargé au pied de biche, mais c'était compliqué. Ok. Tu as des gens du refuge avec toi ou pas? Négatif. Yes, we sell. Personne. Et il n'y a qu'un garde là-bas, mais je pense pas que le garde y sorte. Je pense qu'il doit tenir son poste au cas où que les survivants arrivent. Tu peux discuter avec lui pour te dire des informations de son. Ce serait bien qu'il discute avec nous, mais voilà. Après, moi, je veux pas leur faire de mal. Hein. Ah ouais, non, moi non plus. Enfin, sauf s'ils le cherchent. Oui, ça c'est sûr. S'ils le cherchent, mais pour le moment, c'est plutôt tranquille. On y est. Oh, qu'est-ce que je les déteste, ceux-là. Ah, il fait que courir. Un kit de cuir en boîte de conserve. Voilà, c'est ici. Non, moi, il dort là-dedans, moi. Ok. Et en fait, les autres qui ont peur, ils dorment dans cette maison marron, là. Ils sont partis dormir dans cette baraque, les autres. Bonjour. Bonjour messieurs. Bon. Sacré mal de tête. Le gardien ici m'a dit que vous étiez dans la maison un peu plus loin. Oui, à Maison Rouge, oui. J'étais parti chercher mon ami qui était beaucoup plus loin. D'accord, ok. Ouais, je suis venu vous chercher, mais je vous ai pas trouvé. Ah non, il était pas là. Putain de pluie de merde. C'est à vous le scotch par terre. Ah ouais, prenez-le, j'en ai deux. Ah, faut juste que je répare ma veste. Pendant que j'étais au travail, en fait, et je faisais ça surtout chez les prisonniers. Ouais. Par exemple. J'aimerais vous poser plus de questions, mais du coup, sinon, je vais encore faire un. Ça va vraiment commencer à me tuer. Souvent les gens que j'ai tués c'était beaucoup de violeurs. Pourquoi ou des familles qui me payent pour que je les tue, pour que je tue les gens qui ont violé leur fils. Vous vous faites engueuler parce que vous posez des questions, madame. Ouais. Ah. Mais il y en a bien méchant, madame, vous parlez. Vous avez le droit de discuter quand même. Ah, c'est dommage. Discute. Oh, vous venez de vrai méchant, mais surtout que c'est pas des questions, enfin voilà, vous voulez nous connaître, ce qui est normal. C'est... On est devant votre mur depuis 3 jours, c'est... Ce serait plutôt... Je sais pas pourquoi, mais... Ce serait bizarre si vous... Pas qu'il pose des questions. Ce serait bizarre que vous ne posiez pas la question, au contraire, ce serait plus grave. Enfin, moi je préférerais que vous posiez des questions que pas du tout. Ça me perturberait. Je vais faire d'interrogatoire. Ah, du coup, je peux poser presque une question. Ah... Je sens que l'interrogatoire, enfin, il va faire mal, je sais pas pourquoi. Tu vas finir en poil, tu vas finir à poil dans un étang avec des coups de batte partout. Arrête, me porte pas la guigne, enfoiré. Non mais je dis ça va m'arriver à moi, tu vois. Je vais me faire tabasser la gueule. Je vais me retrouver, Santa Maria. Il me réveille avec une de ses gueules, bordel de merde. Ah putain, il baiserait bien une petite minette, moi. Ah putain, qui c'est qui a laissé la porte ouverte encore? C'est pour ça que je me suis pelé les couilles, putain, toute la nuit. S'il y avait une Z qui rentrait, bordel. Ah, je pense que...
Ils vont pas tarder à arriver. Je dois avoir une petite discussion avec eux au sujet de quelque chose. Mais déjà, mon cousin qui était là, il m'a dit que vous lui avez tabassé la gueule pour une question. Votre cousin? Oui. Celui qui est habillé tout en blanc, tenue de chasse. Il s'est réveillé, courbature partout, il m'a dit qu'il a pris des coups de batte dans la gueule. Je sais pas. Il a dit que ça allait du capitaine. Que quelqu'un lui avait demandé de décharger les armes. Il a dit pourquoi. Donc s'il a dit pourquoi, c'est par mesure de sécurité quand même, on vous connaît pas. Et là apparemment il s'est retrouvé attaché et s'est fait défoncer la gueule parce qu'il a osé dire pourquoi. Et selon les réponses, il s'est fait frapper aussi. D'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, et... moi, le seul interrogatoire que j'ai participé, c'était un d'un apparemment un ancien espion français. Et après, votre là, moi j'étais pas présent lors de son interrogatoire. Vous dites là, en costume blanc, ça me dirait. D'accord. Après, je pourrais essayer de me renseigner, mais c'est vrai que le capitaine. Il y a des petites questions comme ça, pourquoi, non, tout ça, c'est... Je rêve où il y a quelqu'un à genoux à côté de vous. Ouais, le commandant qui vient de... Enfin, le commandant, non, même pas, c'est le lieutenant qui vient de se réveiller. Ah, il me demandait comment ça se fait qu'il était à genoux. Et du coup, c'est là que je voulais en venir. Apparemment, quand il était endormi, il s'est fait carotte son pistolet. Pardon, vous parlez de quoi là, monsieur? Comment? Rapport, apparemment d'un homme en costume. De mon cousin, que vous lui avez tabassé la gueule à coup de batte. Ah oui, lui là, ben lui qui était en blanc. Oui, parce que vous lui avez demandé de charger les armes et il a dit pourquoi et vous l'avez défoncé. Ah ben ici ça se passe comme ça, hein. Vous savez qu'on est des mercenaires nous, on a la hiérarchie. Oui, mais monsieur, on vous connaît pas, vous demandez... Excusez-moi, c'est parce que je me suis pas présenté. Je suis le lieutenant Yuri Tovarich, un responsable de la sécurité du camp. Si vous rentrez, vous êtes sous mes ordres. Oui. Donc quand je dis quelque chose, faut le faire. Oui, mais si, il a le droit de dire pourquoi quand même, on n'est pas une dictature, si? Ah ben non, dans l'armée, c'est comme ça, tu dis, on te dit... Je lui ai pas dit de danser avec un homme, je lui ai dit de décharger ses armes. Oui, mais là vous êtes pas l'armée, monsieur, ça n'existe plus l'armée. Vous êtes un refuge. Là, si je vous dis de décharger vos armes pour l'entrée, c'est si vous commencez déjà à dire pourquoi on n'est pas sorti de l'auberge, on est d'accord. Mais non, mais vous pouvez dire par mesure de sécurité. Pas, voilà. Oh, c'était plus, voilà, là, c'était plus, on va dire, le test, voir comment il encaisse. Parce qu'on veut des hommes costauds, vous voyez ce que je veux dire. D'accord, parce que bon, on vous connaît pas. On aurait pu être bien plus, on aurait pu avoir la main bien plus lourde. Parce qu'après, comprenez-le, c'est comme si vous arrivez dans un endroit où vous connaissez personne, on vous dit de rentrer, mais désarmez-vous. Mais le pauvre, après, il est parti dormir, il n'est pas revenu, parce qu'après, on lui avait dit de patienter pour faire la suite, quoi. Mais après, il est allé dormir. Ouais, mais il s'est réveillé là, et apparemment, il s'est endormi, je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Bon, c'est pas un de vous, mais apparemment, il avait... Ça, je suis pas au courant, ouais. Il avait un corte, et apparemment, il se l'est fait voler. J'ai pas trop compris son histoire, j'ai pas bien pigé, il m'a raconté quelque chose. Chose, je comprenais pas trop. Et il m'a dit que c'était fait voler, je sais pas quoi. Il fait, mais merde, ils vont pas te carotter un colt. Les armes que vous avez, non, vous avez pas besoin d'un couilles, truc bah, pareil. Je les donnerai, moi j'en ai plein des colts. C'est. Et il m'a dit ça, et apparemment il m'a dit que c'était un des gars, je crois, qui dormait ici, je crois. Franchement, j'ai pas trop compris. Il devait venir. Ah, mais ils sont morts. Ils sont morts, les mecs qui étaient arrivés avec vous ce jour-là, là. Ils sont tous morts. Ils sont fait attaquer par les jeunes. Ils ont pris un otage. J'ai entendu à la radio des transmissions où ils expliquaient qu'ils avaient les jeunes, les vagabonds ils avaient, avec vous, ils avaient pris en otage le chef des jeunes. Oh putain, les cons. Dans une grange ou je sais pas quoi, ça s'est terminé que les jeunes ils ont envoyé une grenade, enfin tout le monde est mort. Oh les teubés, ils se sont enfermés avec un otage, mais ils sont débiles, bien sûr que oui, on prend une grenade. Chef, avec le chef des jeunes et les jeunes ils ont balancé une grenade, ils ont fumé leur propre chef. J'ai compris, hein. Ah, mais c'est vraiment des Mongols, hein. Franchement, ça confirme bien la chose. C'est des Mongols. Et j'ai bien peur que chez eux... J'en reviens pas, bordel. C'est pour ça que... Ouais, voilà. J'ai bien peur que chez eux, ils s'en battent les couilles de leur chef.
Mais chez nous, c'est pas comme ça. reviens pas. Ah, c'est vraiment des illuminés, ce bâtard. Putain. Oh, les cons. Oh, j'en reviens pas, ils sont tous morts. Ah, mais merde, il y en avait des gentils en plus tous là-dedans. Après, je sais pas, je sais que les mecs qui étaient avec vous, ouais. Il me semble qu'ils sont tous morts, quoi. Ah, putain, mais quelle idée ils ont eu, ces cons, de faire nous, ça. On était. Mon caporal ici présent était en communication avec eux. Tiens, la cagoule. Où ça? Là, par terre, ici. Cagoule de ski. Ah, mais c'est pas le même que le tien. Mais tu t'en fous que ce soit pas le même que le mien. Si, c'est moi, je suis là. Ah, t'es vraiment jamais content de ce qu'on te propose. Putain, t'es pire que maman. Bon, ça va durer longtemps, vos conneries. J'en ai mon frère. Déposez vos armes, messieurs, et les déchargez. On peut les récupérer après. Chacun leur tour. Ouais, on n'est pas des voleurs. Alors, Damal, on dit bonjour. Pardon. Merde. J'ai pas assez de place, monsieur. Ouais, d'abord, on dit bonjour. Vous avez posé par terre, pardon, je vais les prendre sur le monde. D'accord, je vous remercie. Dans mon pays, on dit bonjour, pas politesse. Alors, attendez, ton pays, je m'en bats les rotules. Et ce pays de merde où on est aussi, j'en ai rien à foutre. Sauf que là, tu vois quoi dans le ciel? La maman. Il fait jour ou pas? Attendez une seconde, vous parce vous que... Vous inquiétez pas, je vous les destitue à... Je sais pas, si ma tête est dans ton cul... Je vous fais confiance, monsieur. Il va faire tout noir, là. Je vous fais confiance. Par le nez. Attendez, je regarde si j'ai pas autre chose. Ça, je sais pas. Moi une grenade. Alors ferme ta gueule, ça vaudra ça mieux. Ça, c'est à manger. Ah, mais c'est... C'est bon. Doc, remontez-moi le drapeau, là. Tu vas avoir droit à une petite visite guidée. D'accord. Tu verras pas la totalité du camp. D'accord, je comprends. Les lunettes nocturnes, elles fonctionnent? Oui, monsieur, elles fonctionnent, oui. Ok, éteignez-moi le groupe. Voilà. Je vous suis. Ici. C'est la maison du caporal, notre gardien. D'accord. Ok. C'est lui qui garde la porte. Il fait exactement ce que je lui ordonne, ou ce que le lieutenant lui ordonne, ou ce que le major lui ordonne. En règle générale, c'est de pas ouvrir et de tirer sur ce qui nous énerve. D'accord. Là, c'est la chambre de ton pote. Bah, il a une belle chambre quand même. Il l'a construit lui-même de ses petites mains hier. Après, on a discuté 5 minutes et il a fait un malaise. On était obligé de le conduire à l'infirmerie. Concernant c'est ton cousin que j'ai dérouillé? Oui. Ouais, je vais t'expliquer pourquoi. Ici, au refuge. On accueille les vagabonds, mais faut qu'ils soient utiles. Mais surtout, ici, au refuge, la loi, c'est moi. En dessous moi, c'est le lieutenant. En dessous le lieutenant, c'est le major. En dessous le major, c'est le caporal. Quand je donne un ordre, j'aime bien qu'on l'exécute. Et qu'on pose pas de questions. Oui. L'ordre, c'était de décharger son arme pour faire la même visite que toi. Sauf que cette espèce de connard, il a demandé pourquoi. Du coup, j'étais obligé de lui apprendre les bonnes manières. Après, on l'a raccompagné à la porte gentiment. Ouais, mais je comprends qu'il s'est posé la question, il vous connaît pas, donc il se méfie un petit peu. Et alors, tu crois que je vais laisser rentrer un type que je connais pas armé jusqu'aux dents? Ah, bien sûr que non, mais lui, son côté, il avait un petit peu peur, il s'est seulement posé la question. Ça, moi, j'ai parlé avec vous déjà, mais lui, il est pas très bavard. Avec son Jean dans la... Avec Jean, vous voyez qu'il a déjà un petit problème, hein. Ah, mais il nous en a pas trop parlé de ce mec imaginaire là, le pauvre, il était concentré. Ben ouais, il m'a dit qu'il parlait plus. Je pas avec lui. Ouais. Tu vois les maisons qu'il y a là autour? Oui, je les vois, monsieur. On a peut-être guéri du coup. Si tu tiens à carreau, il y a peut-être une porte là-dedans.
D'accord. Celle-là, c'est celle de notre récupérateur. Il est absent, il est parti en expédition. Tous les soldats du camp vont de tirer à vue au premier qui rentre dans son terrain. Ok. Toute cette rue-là, il y a encore des maisons disponibles. Et au bout de la rue, on a une belle fontaine d'eau potable. Ok. Voilà. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes aux jambes, donc si vous me voyez partir à droite à gauche, c'est pas de ma faute. Non, vos jambes vont bien. Ça. Je m'en bats les steaks. Le grand gars qui est là-bas, c'est la réserve à outils. C'est tout le temps fermé à clé. C'est trop abruti qui se baisse les pattes. Ici, c'est la fabrique. Je serais toi, j'irai pas plus loin. D'accord. En fait, ce bâtiment-là, il sert qu'à une chose. Une seule. À faire travailler les Chinois. À dérouiller ceux qui m'énervent. Ah. Caporal, ouvrez la réserve. Mais moi, si je suis pas autorisé à rentrer, je rentre pas. La réserve à outils, il y a que deux raisons qui font qu'ils viennent. Trois. La première, t'as besoin d'outils pour travailler. Mais t'as pas l'air d'être du genre à travailler. Non, pas vraiment. Ça dépend qu'à travailler. Ouais, ça se voit. Là-bas, au fond, il y a la réserve à carburant. Ah, il y a ça, oui. Il peut être une deuxième raison. Et la troisième raison, bah c'est comme la fabrique. C'est pour dérouiller. D'accord. Il y a deux jours, on a chopé un connard. Je suis quasiment sûr qu'il était envoyé par les espèces de fanatiques. On lui a commencé la visite comme toi, sauf qu'on était directement au commissariat. Arrivé dans la cellule, le lieutenant y a collé 2-3 pains dans la gueule. On l'a menotté, on y a mis un sac de chute sur la tête, puis on l'a ramené ici. Et là, on l'a dérouillé sévère. Il est tombé dans le coma, le doc l'a ranimé. On l'a redérouillé. C'était marrant, hein, les gars. Ouais, c'est comme quand tu mets ta femme sur la cuisine, après sur le comptoir. J'aurais aimé être là pour voir ça. Il y a des mecs dans chaque pièce. Bon, on a un petit problème avec le lieutenant, c'est que quand il commence à taper, faut l'arrêter rapidement. Des séquelles, lui il aime bien. Ah. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on y a bien défoncé sa gueule et qu'on l'a refoutu dehors. Allez chercher la tronçonneuse, caporal. Ça peut être sympa comme marteau, ça, pour interroger. J'en ai déjà un comme ça. Bon, allez, venez vous installer. Allez-y, d'entrée, cher ami. Merci. Attends, fermez la porte, sinon on se voit pas. Le nez voilà, place sur une chaise derrière vous. Mais attends, vous savez un bout de viande conserve quelque chose. Alors que je t'explique le topo. C'est Joe, c'est ça? Ah oui, Joe. Ok. Ici, c'est le refuge. Et je veux pas un putain de cannibale. À l'intérieur, forcément, mais j'en veux pas à l'extérieur non plus. Oui. Sauf que ces saloperies commencent à pulluler. On les entend plus à la radio, on en voit plus dans les terres. On va installer un avant-poste, pas très loin d'ici. Et j'ai pensé que toi et tes frangins, vous m'avez l'air d'être un peu excité de la gâchette. Ah ça oui. Ben on a besoin de mecs un peu fondus comme ça. Pour tenir et sécuriser cet avant-poste. Tout le temps. Et pour aller foutre des roustes aux avant-postes des cannibales autour. Ouais, si. C'est un chouette plan, ça. L'avant-poste, il est pas très loin d'ici. Ce
ce qui permet un ravitaillement rapide et régulier. D'accord. Comment, par mesure de précaution, tu vois, comme toi, tu prends pas de roost, je t'explique les choses calmement. Oui. Peut-être même que toi, tu vas repartir avec ton brassard. Mais pour l'instant, de toute ta petite clique là, tes frangins, oui, tes cousins, tes grands-mères, j'en sais rien, tu seras le seul à avoir le brassard et tu seras le seul à avoir le droit de revenir à l'intérieur. D'accord. Jusqu'à ce qu'on vous fasse vraiment confiance. D'accord. Par contre, faut que tu me tiennes tes gars. Ça, il n'y aura pas de problème avec ça. Il m'a donné des informations par rapport à une passe avancée d'ailleurs. C'est bien. Donc tu vas me tenir tes gars sur trois points. Premier point, ils touchent pas aux gens du refuge. C'était logique. Oui. Si vous travaillez avec le refuge, ah oui, j'ai bien et qu'on vous rapprovisionne. Voilà. Deuxième point, tous les vagabonds que vous croisez, vous les redirigez sur le refuge. Pour éviter qu'ils tombent chez ces putains de cannibales. Ouais, qu'ils se fassent embobiner la tête. Voilà. Et troisième point, on était déjà d'accord là-dessus quand on s'est rencontré dans la campagne. Un bon cannibale, c'est un cannibale. Mort. Mort. On est d'accord. On est complètement d'accord sur ça. Disons que vis-à-vis des cannibales, tes frangins font ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas mon problème. Bah, ils vont pouvoir se régaler alors. Ils les brûlent, ils les butent. Vous avez le droit de vous amuser un peu quand même. Ah, ça c'est cool. Attends, j'aimerais bien que de temps en temps vous arriviez à m'en ramener un vivant. Ben moi, ce que j'avais pour objectif, maintenant que vous m'avez dit ça, c'est qu'on les capture. Bon, on leur tabasse un petit peu la gueule et après le but c'est qu'on vous les ramène à vous. Et après c'est vous qui choisissez ce que vous faites avec eux. Ah bah ben, on va faire pareil, on va les tabasser un petit peu. Comme des informations. Le but c'est que vous... rien à dire. Le but c'est que vous amusiez aussi. Ah t'inquiète, ça nous amuse toujours. Parce que bon, ce qu'ils ont fait à mon frère, ces enfoirés. Je vais te donner une information top secrète. D'accord. Tu comprends qu'officiellement, tu vas être le seul à intégrer le refuge pour l'instant. Je comprends tout à fait. Mais, en très peu de temps, la petite famille pourrait en faire partie aussi. Ça va dépendre du travail fourni. Comme d'accord, je te l'ai dit quand on s'est croisé, il n'y a pas de fainéant en refuge. Il faut que tout le monde serve à quelque chose. Maintenant, botter des culs, ça peut avoir une certaine utilité. De toute façon, moi, de mon côté, j'ai un ami, ben, je crois que vous l'avez vu, messieurs, celui qui était en Guilly. Ah oui, l'homme puissant, oui. Lui, il est souvent avec moi. Un imprononçable. Oui, c'est... C'est un sacré petit espion lui aussi, mais c'est une personne qui aime beaucoup aller chercher des trucs. Aussi. Ce sera très utile. Bref, on va en revenir à cet avant-poste secret. Oui. On sait jamais qui peut nous écouter, donc je vais pas vous dire exactement l'emplacement. Oui, les belles oreilles. Je vais vous indiquer des coordonnées. Vous y rendrez, vous allez nettoyer l'endroit, et on vous rejoindra tout à l'heure avec des camions, des troncs d'arbres, des outils, histoire de sécuriser l'emplacement. Et on va vous apporter aussi une tente militaire. D'accord. Territoire, donc, tranquille. Ça me fait penser le jour où on a fait la guerre en Irak. Bon, on va bouger tout de suite sur la mission, on va essayer de récupérer le caporal. Où on les a tous zigouillés. Je pense que c'est bon. Ouais, je pense aussi que c'est bon. Il a peut-être fait un abandon de poste. C'était avant qu'on aille au cartel. On était de braves militaires. Si. Eh ouais. Ouais, le temps. Et c'est le temps qui court. Court. Avec de l'amour! J'aime bien ma chanson. Hey.
plein. Eh ouais, y'a là un paquet. Hein. Oh, ouais, Marel, ouais, Marel. Il a été cherché. Oh, Marel. Ouais, ils ont cherché de palmer, putain de merde. Frangin, toi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et qui prévient que le premier s'arrête, que l'autre le dit, et puis l'autre le dit à l'autre, sinon je vais foncer dans l'autre. On s'arrête de trop. Et je bande en plus, bordel. Eh, frangin. J'ai. T'as déjà fait l'amour à une tarte tartin? Si, si. Et elle doit être bien chaude. Après, pas chaud chaud, mais... Oui, je vois ce que tu veux dire. Elle peut juste... Ambiante. Voilà. Tu fais un gros trou au milieu de la tarte. Et puis tu baises de la tarte. J'aimais bien ça, baiser les tartes. Passe... Ah, et ça passe tout crème. Moi, une fois, j'ai baisé une orange. Ah, ça doit piquer un peu quand même. Ah, le pamplemousse, oui, mais l'orange, ça va, ça passe. Ah, j'ai essayé avec un citron. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Tu m'étonnes. J'ai voulu bouter le citron. Le mieux, c'est que tu pénètres la tarte et après tu la manges. Et si tu veux faire une blague à ta femme, tu prends une galette des rois, tu mets ton pénis dedans et tu me dis de trouver la fève. Surprise.